Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle question, à savoir le marché monétaire. Qu'est-ce que c'est? Le marché monétaire, qui est dans l'épisode le marché des capitaux, c'est que le marché monétaire, c'est un marché des capitaux à court terme. À court terme. Donc, un marché monétaire. Alors, dans le marché des capitaux, mais il y a un court terme où il y a deux composantes ou bien deux typologies au stock, qui est un marché interbancaire et marché DTCN, ce qu'on appelle marché des titres, des créances négociables. Donc, on va voir la définition de chaque typologie. Le marché monétaire, ou le marché de capitaux à court terme, se compose de deux compartiments. Les deux typologies, dans le marché interbancaire et le marché monétaire énergie, et qui est le marché des TCN, titres de créances négociables. Le marché interbancaire, évidemment, interbancaire comme son nom l'indique, ou souk al-bay banki, qui est al-bay banki, l'arabien, yani qui connaît les banques, seulement les banques et quelques organismes financiers. Les actions, les qui déterminent les agents économiques ayant un besoin de financement et les agents économiques ayant un excédent de financement qui fait mais sur le court terme, ou qui les deux composantes qui ce qu'on appelle l'argent, la liquidité. Donc, compartiment du marché monétaire réservé aux banques et à quelques organismes financiers, seulement les banques. Les agents en déficit de trésorerie peuvent y emprunter aux agents en excédent de trésorerie. On a le marché interbancaire, il y a un maximum de qui connaît là 7 jours. Soit qu'il connaît des emprunts, donc, par exemple, le jour J, qu'il connaît a deux entreprises, par exemple, Banque Populaire. Était géré aux banques. Le jour J, Banque Populaire qui a un besoin de financement. TGL aux banques qui a un excédent. Donc TGL aux banques qui la Banque Populaire. G plus 3, il y a tout à fait TGL aux banques qui a un besoin et la Banque Populaire qui a un excédent. Qui connaît des emprunts, soit 24 heures, 8 heures, et 7 jours. Il y a le maximum qui a un. En intervenant sur le marché monétaire, la banque centrale maîtrise la quantité de la monnaie en circulation et le niveau des taux d'intérêt. Mais non, la banque Banque du Maghreb est l'intervention selon la fixation de le taux d'intérêt qui compte les banques, mais également la monnaie en circulation avec le plafond. Le deuxième compartiment et celui du marché monétaire énergie, qui s'appelle également marché des TCN. C'est l'abréviation des titres de créances négociables. Il est ouvert à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres. Et je finis avant l'épisode du marché des capitaux, pour l'essentiel des bons du trésor émis par l'État, des certificats de dépôt émis par les institutions financières. Il y a le marché monétaire élargi. Mais fille, mais je pas le marché interbancaire qui nous fait les banques. Marché monétaire élargi qui nous fait les banques. Pardon, qui nous fait les agents économiques. Mais bien, nous les banques également. Les banques ont le droit. Donc, les deux typologies, pourquoi 1994? C'est ce également de nouvelles lois, par exemple la loi. Le code de commerce, la reconstitution du commerce, des tribunaux, des marchés en général. Donc, marché monétaire, il y a des TCN. TCN,
هو ما يتخ... مي ما يتخلطوش لكم مع لي تيتخ اللي كيكونوا في المارشي فينانسي. هنا راه سو سون دي تيتخ ا كور تيرم، alors que les autres راه لي في لو مارشي فينانسي راه كيكون عندها دي تيتخ ا لون تيرم، يعني كبر من عام. دي تيتخ قلنا لي زاجون ايكونوميك، شنو هما لي زاجون ايكونوميك؟ لي زاجون ايكونوميك هما كاينين لي ميناج، كاينين لي انستيتيسيون فينانسيير اللي هما لي بانك، لي زيتابليسمون دو كريدي. Troisièmement, les institutions non financières, les humaines, les entreprises. Quatrièmement, l'État. L'État et les institutions, ce qu'est-ce que les établissements publics. Ok, le risque de demande. Le risque de demande, madakhishana. Donc, concernant les titres, les cultes à court terme, qu'il y en a, voilà, essentiel, les bons du trésor. Qui jouent même les établissements publics, ou bien ce qu'on appelle l'État. Des certificats de dépôt. Certificats de dépôt, ce sont des TCN, les qui jouent même les institutions financières, les banques, les établissements de crédit. Et on a les billets de trésorerie, les qui jouent même les entreprises, ce qu'on appelle les institutions non financières. Donc voilà, grosso modo, le marché monétaire et ses composantes, à savoir le marché interbancaire et le marché monétaire élargi, ce qu'on appelle TCN.